Bueno, vamos a comenzar o a ir comenzando la segunda de las charlas de la mañana, porque si no, no nos dará tiempo a comer. Ahora tenemos al colectivo Microsillons, ¿no? Que son Marianne y Olivier. Yo completamente oublié votre nom. Okay. Y bueno, de lo que van a compartir hoy con nosotros es una investigación que han iniciado, sobre la que llevan años trabajando, sobre el archivo de Freire que hay en la ciudad de Ginebra, de Paulo Freire, el pensador y el pedagogo brasileño, que escribió textos bueno, fundamentales para muchos de nosotros, ¿no? Como la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza, y que además tuvo bueno, fuerte impacto en muchos pensadores que vinieron después, por ejemplo Bell Hooks, ¿no? Tiene una relación muy estrecha con él y parte de sus textos son conversaciones o están ligados con Paulo Freire. Y Paulo Freire pasó bueno, parte de su exilio en Ginebra, y ellos han estado investigando en el archivo, ¿no? Sí, o sea, por 9 años, ¿no? Entre el 70 y el 79 estuvo en Ginebra. Y ellos han estado trabajando en el archivo que encontraron allí, intentando hacer un rastreo del impacto de Freire en la comunidad educativa suiza o de Ginebra y también su relación con otros... Bueno, con otros investigadores y pedagogos. A partir de ahí tienen un trabajo mucho más creativo, ¿no? Que se ha ido desplazando, ¿no? De activar esa imaginación y de pensar en el impacto actual, en su relación con artistas y otros investigadores. Para nosotros es muy especial contar con esta contribución hoy, ¿no? Que va a ir encajando con el resto de la mañana y estamos muy agradecidos de que hayáis venido además con unos cuantos estudiantes vuestros de Ginebra. Gracias. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai. Alors, on va parler en français. Comme le soulignait Pablo, qu'on remercie beaucoup pour cette invitation qui nous permet de poursuivre des discussions engagées avec certains d'entre vous il y a déjà très longtemps. Et puis de découvrir aussi des démarches très inspirantes, comme c'est le cas de cette école de Valparaiso. On est vraiment très contents d'être ici. On remercie toute l'équipe du MACBA pour leur aide. Et comme tu le soulignais, on a aussi le plaisir d'être venu ici avec les étudiants du Master Trans de la Haute École d'Art Design de Genève. Oui. On a décidé de joindre notre voyage d'études annuel à ce colloque parce qu'on trouvait qu'il y avait énormément d'apports et de matériaux qui nous permettraient aussi de poursuivre notre travail de retour à Genève. Olivier et moi-même, on travaille depuis 12 ans ensemble maintenant sous le nom de Microsillon et on développe des projets d'art socialement engagés, c'est-à-dire qu'ils impliquent souvent une dimension pédagogique. Et qu'avec cette pratique, ce qui s'est passé au fil des années, c'est qu'il y a un réseau d'expériences, de références, de contacts, à la fois professionnels et amicaux, qui s'est développé. Et puis dans ces références, dans les choses que nous lisons et sur lesquelles on a pu bâtir notre réflexion, on a très rapidement observé qu'il y avait une convergence vers Paulo Freire, comme tu le disais, qui est un penseur très important et un pédagogue brésilien qui va vraiment être considéré comme le pédagogue peut-être le plus influent, le plus populaire de la seconde moitié du XXe siècle. Au moment où on va fonder Microsillon, notre collective, en 2005, c'est le processus de Bologne, en fait, est vraiment en phase d'application. Donc il a été conçu comme ça au début des années 2000, enfin au cours des années 90 et au début des années 2000, et il est en train d'être appliqué dans les universités et également dans l'école d'art dans laquelle nous sommes étudiants. À ce moment de l'application du processus de Bologne, la pensée de Paulo Freire revient très fortement sur le devant de la scène parce qu'il avait développé comme ça ce concept d'une éducation bancaire qui était une chose qu'il trouvait tout à fait critiquable et par éducation bancaire, il désignait l'éducation qui était dispensée par l'école classique, publique, et à laquelle lui, Paulo Freire, il va opposer une éducation du dialogue, de l'autonomie, de l'émancipation, qui va nommer, selon ses termes, qui sera une éducation libératrice.
Donc ça fait depuis ces nombreuses années qu'on lit, qu'on cite, qu'on utilise les concepts de Fréré, parmi d'autres évidemment, c'est pas notre Dieu sur Terre non plus, comme on va essayer de le discuter aussi dans cette communication. Mais il est vrai qu'il reste, pour de nombreux artistes socialement engagés, et plus de deux décennies après sa mort, puisqu'il est mort en 96, en 1996, le penseur d'une éducation radicale, critique. Et c'est d'ailleurs de cette pensée frérienne que sont nées les pédagogies critiques et radicales telles qu'on les discute et qu'on les pratique maintenant. Il y a 5 ans, on a découvert avec une certaine surprise que Fréré avait passé 10 ans de sa vie à Genève avec sa famille et qu'il résidait à Genève lorsque son ouvrage le plus connu, La pédagogie des opprimés, a été publié. Et cette découverte, ça a déclenché chez nous un désir de comprendre plus précisément les liens qu'il avait eus avec la Suisse, mais aussi de revenir sur ses concepts éducatifs et de voir comment il pouvait résonner avec la situation actuelle et comment, pour quelles raisons, en fait, ces concepts restaient aujourd'hui influents dans le champ de l'art et de la pédagogie, même s'il a aussi été régulièrement critiqué. En 1970, en exil, Paulo Freire arrive à Genève. Il fuit la dictature militaire du Brésil après le coup d'État de 1964. Il va d'abord passer par le Chili, comme Maria l'a mentionné tout à l'heure, et il va ensuite aller aux États-Unis. Puis il arrive à Genève où il accepte un poste au sein du Conseil œcuménique des Églises. Bien qu'il soit influencé par les écrits de Marx, il reste aussi attaché à certains principes chrétiens. Il va choisir de s'installer à Genève, alors même que l'université de Harvard lui proposait un poste et lui proposait de travailler chez eux. Il décide plutôt de venir à Genève parce qu'il pensait que depuis là, il pourrait travailler plus facilement au processus de décolonisation qui avait cours dans plusieurs pays à travers le monde. Donc il conçoit vraiment Genève comme une base pour travailler à un niveau international. Avec d'autres exilés brésiliens à Genève, il va fonder l'IDAC, l'Institut d'Action Culturelle, dont l'objectif principal est d'offrir des services culturels, principalement pour les pays en lutte pour leur indépendance. Et l'IDAC va ainsi contribuer à la mise en place de plusieurs programmes d'alphabétisation en Guinée-Bissau, au Mozambique, en Angola ou au Nicaragua par exemple. Ce qui nous intéresse en fait dans le... mais pardon, je suis complètement... T'as double page, t'as pas retourné, c'est pour ça. C'est pour ça, pardon. J'ai du mal. Donc ça, c'est l'histoire officielle et c'est celle qui a été écrite. Mais ce que nous avons découvert en fait en investiguant sur la présence de Fréré à Genève dans les années 70, c'est vraiment une somme d'anecdotes, l'accumulation comme ça d'anecdotes, de signes, de traces, parfois extrêmement ténues, qui parlent de la présence de Fréré et qui vont l'ancrer en fait dans la Genève d'aujourd'hui. Et c'est là aussi c'est le projet qui nous anime. On découvre par exemple que Jan Ziegler, qui est un intellectuel, un diplomate et un homme politique suisse très connu, va utiliser sa carte de diplomate, en fait, sa valise diplomatique, pour transporter le manuscrit en portugais de Pédagogie des opprimés à l'éditeur brésilien de Fréré, parce que Fréré tient absolument à ce qu'il ait son manuscrit dans les mains à une période où la pensée de Fréré est évidemment éradiquée de la parole publique au Brésil. En consultant la carte d'un restaurant qui s'appelle Le Portugais, qui est en face de l'université à Genève, dans le quartier dans lequel je vis, on s'aperçoit que il y a au menu un plat, la feijoada, qui est un plat très connu, très emblématique de la cuisine brésilienne, qui est préparé en fait en hommage à Paulo Freire. Et l'anecdote est comme ça dite sur le menu, comme on le voit à l'écran, c'est-à-dire qu'il a personnellement confectionné la première feijoada brésilienne servie dans ce restaurant et qu'il a appris ainsi au chef à la faire. Et ce sera quelque chose qui va continuer.
On contacte ensuite une linguiste qui était enseignante à l'université de Genève et on s'aperçoit en fait qu'elle est proche de la fille de Paulo Freire, Christina, sa fille aînée, avec qui elle travaille, fille qui est elle-même restée à Genève. Et on s'aperçoit aussi que cette femme, elle a reçu de nombreuses fois Freire chez elle, qu'elle a eu de nombreuses discussions avec le pédagogue. On va découvrir aussi un mémoire universitaire dans les archives de l'université sur l'application par des étudiants en pédagogie dans les années 70 des méthodes de Freire dans un projet d'alphabétisation pour les travailleurs saisonniers à Genève, parce qu'il y a chaque année de très nombreux travailleurs qui viennent de pays européens d'abord pour travailler dans les champs autour de la ville de Genève. La source principale, en fait, de notre recherche, outre ces petites anecdotes et ces traces, c'est une archive qui se trouve au centre œcuménique au conseil œcuménique des églises où Freire travaillait. Et là, il y a une dizaine de boîtes, comme ça, des boîtes d'archives qui sont pleines de la correspondance, mais aussi de différents documents, des photos, comme certaines qu'on a pu vous montrer maintenant. Et il y a aussi dans ces archives l'enregistrement audio d'un séminaire qui a été mené en 1974, dans lequel Freire invitait Ivan Illich, dont on va entendre parler plus tard, à une discussion au Conseil œcuménique des Églises. On voit une photo ici de ce débat. Ces différentes ressources, elles vont nous permettre de comprendre comment Freire, il a pas arrêté depuis Genève de voyager pour défendre l'idée d'une éducation pour tous, d'une éducation conscientisante, critique, dialogique et génératrice. On reviendra tout à l'heure sur ce terme. Les nombreux textes qui présentent Genève comme une capitale de la pédagogie, puisque Genève a toute cette histoire de la pédagogie nouvelle, de Claparède, de Piaget, toute cette histoire de la pédagogie scientifique, tous ces textes, ces nombreux textes, ces nombreux ouvrages qui parlent de cette histoire, sont toujours exempts d'une mention des apports de Freire, de cet apport d'une pensée en exil dans cette histoire de la pédagogie genevoise. Même encore plus étonnant, on a vu récemment un article qui a été publié en mai de cette année, qui, à l'occasion des 20 ans de la mort de Paulo Freire, appelait à redécouvrir Paulo Freire et qui parlait principalement d'éléments biographiques sur la vie de Freire. Article qui a été publié dans Le Courrier, qui est un journal genevois qui est très à gauche sur la grille des publications locales. Même dans cet article qui parlait spécifiquement de Freire et spécifiquement de sa biographie, aucune mention n'était faite de son passage à Genève. Donc c'est un fait qui resterait... Très absent de toutes les discussions dans notre pays. Cette absence, elle est d'autant plus étonnante qu'ailleurs dans le monde, il est considéré peut-être comme une des figures les plus influentes de l'histoire de la pédagogie. Oui, on voit ici une image de quand on est allé en fait l'année dernière, on y reviendra tout à l'heure au Brésil. On s'est rendu compte que voilà dans une FNAC que vous reconnaîtrez, il y a en présentoir, en tête de gondole, à l'entrée du magasin, on voit Pédagogie des opprimés. Alors que en français, l'exemplaire qu'on vous a montré tout à l'heure, on doit le commander dans une bibliothèque, il est difficile à obtenir. Donc il y a une vraie différence entre la réception de Freire dans notre contexte et dans la sphère francophone plus généralement et ailleurs dans le monde et bon, évidemment encore plus spécifiquement au Brésil. On a été récemment invité, un peu par hasard et à la suite d'une rencontre, à participer au colloque Genève, une plateforme de l'internationalisme éducatif au XXe siècle, qui était organisée par l'Université de Genève. On y a rencontré un autre chercheur brésilien, Marcos Reigota, un enseignant qui a été lui-même étudiant de Freire, qui connaît bien la famille de Freire. Il a été lui aussi invité tardivement à participer à ce colloque, Et ces deux invitations ont en quelque sorte comblé les lacunes initiales qu'il y avait dans le programme de cette plateforme de l'internationalisme, où une fois encore, Freire était avant cela absent. À chaque fois qu'on va discuter de notre recherche,
Ça va toujours être une opportunité pour nous de la faire avancer, de la connecter à d'autres recherches, de la connecter à d'autres expérimentations, à d'autres histoires. Et petit à petit, on se rend compte que le temps nous manque pour vraiment investiguer toutes ces pistes. Et de ce fait, on a vraiment opté pour une recherche sur un très long terme. Donc ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille là-dessus et on est vraiment au cœur du travail. Il y a énormément de choses à faire encore. Donc, quand on a commencé en fait à enquêter sur cette histoire en tant qu'artiste, on avait vraiment l'idée qu'il y avait une forme d'urgence en fait à réengager le travail de Fréré aujourd'hui dans un contexte où les transformations néolibérales sur le monde de l'éducation et la réflexion sur la société de la migration nous semblent vraiment très nécessaires. C'est important pour nous de réinvestiguer les idées radicales qui ont permis de faire progresser l'égalité et le dialogue et qui ont cherché à s'opposer à des formes d'éducation hégémoniques qui sont peu soucieuses de diversité, puisqu'elles sont hégémoniques. Ces questions viennent donc interroger notre pratique d'artiste, mais aussi notre travail en tant qu'enseignant, puisque nous sommes donc depuis maintenant presque 10 ans enseignants dans des écoles d'art à Zurich d'abord. On enseignait pendant 5 ans et aujourd'hui à Genève avec le Master Trans. Et pour nous, c'est aborder dans ces pratiques d'enseignants, on aborde et on pratique la question des pratiques artistiques qui intègrent une dimension sociale et pédagogique. Dans son livret Radical Education Workbook, publié en 2012, le collectif Ultra Red consacre un article à Using the Pedagogies of the Oppressed, qui revient sur des pédagogies. Sur des expériences pratiques d'alphabétisation au Salvador, ou l'utilisation du théâtre des opprimés en Europe de l'Est, qui revient sur les pratiques d'alphabétisation au Salvador, l'utilisation du théâtre des opprimés en Europe de l'Est, ou encore l'utilisation de concepts pédagogiques et de l'approche pédagogique de Fréré dans des cours d'anglais pour les non-anglophones en Angleterre. Le collectif Ultra Red y explique qu'il est primordial dans le contexte des coupes budgétaires et d'une éducation de plus en plus orientée sur l'évaluation et la validation, que les enseignants qui sont désireux de résister et de transformer sur le terrain puissent avoir à disposition des outils issus des pédagogies radicales afin que la roue ne doive pas être réinventée à chaque fois. En tant qu'artiste qui travaillons régulièrement dans des contextes scolaires, en tant qu'ancien responsable d'un service de médiation, où là aussi on était en dialogue constant avec les milieux éducatifs, en tant finalement qu'enseignant en art dans une école transformée par le processus de Bologne, on ressent également une urgence à utiliser ces outils, à les adapter et aussi à les diffuser auprès de nos collègues et à dialoguer autour de cette pensée. Notre relation à Paulo Freire et à sa pensée s'est construite au fil du temps de façon organique. On a pu remarquer, comme on le disait tout à l'heure, que depuis 2005, depuis qu'on a fondé notre pratique, petit à petit, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui s'intéressent à cette pensée et qu'il y a une vraie volonté de revenir à sa pensée pour subvertir le programme néolibéral qui est mis en place par le politique. Une partie de ces démarches ont été relayées par des commissaires d'exposition, des théoriciens, et ont été regroupées par la critique d'art Irit Rogoff sous le nom de Educational Turn in Curating. La pédagogie de l'opprimé de Fréré est l'une des références clés dans cette vague éducative dans l'art. Mais au-delà de l'art, il nous semble qu'il est urgent de relire et de s'engager dans la réactualisation des dialogues et des actions entreprises il y a quelques décennies, car il nous semble, comme le dit Bruno de la Chiesa, qu'au vu de la diversification contemporaine des formes d'oppression, la pédagogie des opprimés est plus pertinente que jamais. Ainsi, les concepts de Fréré nous semblent effectivement d'une grande pertinence aujourd'hui pour toute personne qui est impliquée dans une démarche d'éducation. Fréré qui défend une pédagogie du dialogue où la parole est couplée à une forme d'action transformative. Lorsqu'il parle d'éducation des opprimés, il défend un échange entre le peuple et l'éducateur, un échange qui soit basé sur la génération collective d'un contenu proche du quotidien des personnes impliquées. Et puis il compte, par cette pédagogie du dialogue, s'opposer à ce qu'il nomme l'éducation bancaire ou des savoirs préétablis sans dialogue préalable, sont simplement transmis et empilés dans la tête d'élèves qui sont considérés comme des réceptacles vides, comme on le voit ici à l'écran.
Alors avant de continuer sur différents aspects de cette recherche et différentes actions qu'on a pu mener, ça nous semble important de situer notre exposé. Et pour cela, on aimerait vous présenter un des projets qu'on a réalisé, qu'un projet réalisé en 2010, qui s'appelle En commun, qui ne fait pas directement de référence à Fréré, mais qui lui emprunte tout de même certaines idées et concepts, notamment l'idée que on peut générer avec des groupes de personnes, avec des participants, des thèmes communs, qu'on peut défendre une pédagogie du dialogue et que la participation active des élèves à la production d'un savoir critique sur leur environnement peut se pratiquer. Donc ce journal, puisqu'il s'agit d'un journal, a été réalisé dans le cadre d'un festival interdisciplinaire qui s'appelait La Terrasse du Troc, qui était organe qui a eu plusieurs éditions à Genève en été, et qui propose voilà, différentes manifestations culturelles, des expositions, concerts, performances, qui avaient lieu en l'occurrence dans un parc public genevois qui s'appelle le Bois de la Bâtie. On a été invité par ce festival pour faire un projet avec des groupes d'enfants scolarisés, autour de la manifestation, mais sans agenda précis. Nous avons décidé de travailler avec une classe d'élèves de 10 ans et une classe d'élèves d'environ 14 ans, et de produire avec ces deux classes un journal, qui s'est donc appelé en commun, Journal du Bois de la Bâtie, autour de la notion de commun et de public. On a pris le parti de ne pas du tout aborder le contenu du festival et voilà, ce qui pouvait être traité par les autres artistes invités, mais plutôt de prendre vraiment ce territoire comme point de départ, ce contexte du Bois de la Bâtie, et puis de développer à partir de là notre propre discours en définissant nos propres thèmes. Donc on a d'abord, avec les classes avec qui nous avons travaillé, introduit une histoire de ce lieu, qui était à l'origine une propriété privée, et puis qui a été donné au XIXe siècle, en fait, par ses propriétaires à la ville de Genève, avec la condition que ça doive rester un lieu de promenade et de loisirs et d'agrément pour les habitants de la ville de Genève. Ça nous a très rapidement amené à nous poser la question du commun. Qu'est-ce que c'est qu'un bien commun? Qu'est-ce que c'est la différence entre le privé et le public? Qu'est-ce que l'histoire du commun ou des communs? Parce qu'il y a des nuances nombreuses autour de ce terme. Quels sont les différents usages que l'on peut faire d'un lieu public, d'un bien commun? On a également lu ensemble des extraits de différents textes, par exemple le Walden de Thoreau, ou encore des extraits de L'invention du quotidien de Michel de Certeau. Et puis ensuite, on a divisé les classes en petits groupes, et puis chacun de ces petits groupes a identifié un thème sur lequel il voulait travailler, un thème qui à la fois abordait cette question du commun avec un angle spécifique et qui était lié avec le parc et son histoire et ses usages. Chaque groupe a dû se renseigner sur son sujet, a dû préparer une interview avec une personne qui avait un lien avec ce sujet, et ils sont en quelque sorte transformés en journalistes, puisque c'est eux du coup qui produisaient le contenu sur chacun de ces articles. Ensuite, on a rencontré ces personnes. Les élèves ont réalisé leurs interviews, ils ont documenté la rencontre, on voit ici une de leurs images à l'écran, et puis ils ont ensuite rédigé les articles et ils les ont illustrés. On avait par exemple un groupe qui a travaillé sur une champignonnière, qui était un lieu sans grande surprise, où on produisait des champignons, mais aussi où on organisait des fêtes illégales. Donc ils ont travaillé sur ce double usage, légal et illégal, d'un endroit unique. Un autre groupe, pour vous donner un deuxième exemple, a travaillé sur les jardins familiaux qui sont dans ce parc. Ils ont inventé leur propre jardin avec des plantes imaginaires qui parlaient de leur époque et... Barack Obama aussi, qui est dans le jardin. Ensuite, on a discuté avec les élèves du travail de graphisme et on a visité ensuite l'imprimerie dans laquelle le journal allait être produit. Et on a finalement écrit un éditorial pour présenter le projet et ses différentes étapes. Et puis, on a mis en page le journal avec le graphiste. On l'a imprimé, distribué gratuitement pendant le festival dans le parc, mais aussi à différents endroits dans la ville. Donc il y a eu une vraie circulation à une large échelle de la production que les enfants avaient réalisée.
voilà un exemple assez représentatif du type de projet qu'on peut développer sur le long terme avec des groupes spécifiques, et puis en essayant vraiment de trouver comme ça un terrain commun à investiguer ensemble, terrain au sens large, hein, pas uniquement géographique. Après cet exemple, donc on aimerait revenir à notre recherche sur Fréré et vous présenter les grands principes en fait qui la dirige et c'est les premiers résultats, en faisant un point notamment sur la question des liens entre la pensée de Fréré et l'art, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent et qui nous paraît important aussi de bien penser et analyser. Donc notre recherche, elle se décompose, si on veut, en deux parties. Donc il y a une première partie qui est vraiment une recherche assez historique, classique finalement, sur Fréré à Genève, qui se base sur les documents des archives du World Council of Churches qu'on avait mentionné avant, sur les écrits de Fréré, bien sûr, et puis aussi sur des échanges avec des personnes qui l'ont côtoyé en Suisse. On essaye comme ça de retracer un réseau d'amitié, de pensée, de solidarité qui pourrait être réactivé et étendu aujourd'hui. Ensuite, on s'intéresse à réengager cette pensée, et là on va travailler à traduire et à trouver des manières de réactiver ces idées, ces concepts à Genève, donc vraiment dans ce territoire précis, et dans la région francophone de la Suisse, ainsi qu'au niveau international, en travaillant avec des pairs, avec notamment un réseau sur lequel on vous en dira plus tard. Pour la partie historique, donc les documents que nous avons proviennent, comme on le soulignait, de ce World Council of Churches. Et puis, ce que nous avons commencé par faire, c'est une digitalisation de l'ensemble de ces documents. Donc la dizaine de boîtes d'archives qui sont là-bas ont été scannées. On a également entrepris de sauver le son de ce colloque entre Illich et Fréré, qui était sur une bande humatique, de le mettre sur un support digital. Et ce qui est important pour nous, c'est de réfléchir à comment on peut rendre ce matériel public. On est notamment en train de discuter de ça avec l'Institut Paolo Fréré de São Paulo et le Conseil œcuménique des Églises, qui est propriétaire de ce matériel. Ensuite, ce qu'on trouve dans ces archives, avant tout, c'est une correspondance et une documentation qui témoigne du rôle important que Fréré jouait à l'époque à l'échelle internationale. L'une de nos premières actions, ça a été de retracer ses nombreux voyages depuis Genève pendant ces 10 années, et on remarque qu'il y a une certaine frénésie dans les déplacements, il y a une grande diversité de destinations, donc cette carte, c'est une carte qu'on a réalisée en essayant de mettre comme ça à chaque fois une épingle sur les lieux où il était allé. Parfois, il va plusieurs fois au même endroit, donc ça, c'est quelque chose qui se traduit pas forcément là, mais pendant ces 10 années qu'il passe à Genève, en réalité, il va être 90% du temps loin. Sa famille, elle, reste à Genève, son épouse Elsa et ses enfants sont basés à Genève, ils vont à l'école là-bas, et lui, il va énormément voyager. Cela montre qu'il a passé la plupart de son temps en voyage, donc pour des conférences, des programmes d'alphabétisation qui l'accompagnaient, ou encore pour des échanges avec des gouvernements qui lui demandaient conseil. Et il était vraiment, du coup, fidèle au programme qui s'était fixé en acceptant le mandat au Conseil œcuménique des Églises, c'est-à-dire de participer au processus de décolonisation dans plusieurs pays qui étaient en train d'accéder à l'indépendance. On fait également référence à des documents qui sont produits par l'IDAC, donc cet institut d'action culturelle fondé avec d'autres immigrés en exil brésiliens, et qui avait pour objectif de soutenir des projets culturels, principalement, là encore, dans des pays en voie de développement, et qui étaient en train de lutter pour leur accession à l'indépendance. Et l'IDAC va participer, là encore, à la mise en place de plusieurs programmes d'alphabétisation. Mais étonnamment, en dehors des archives du Conseil œcuménique des Églises, c'est pour l'instant à São Paulo, à l'Institut Paolo Fréré, qu'on a trouvé le plus d'informations sur le passage de Fréré à Genève. Donc on a une forme de décentrement pour analyser notre objet. On a eu la chance de visiter cet institut l'année dernière. On a discuté longuement avec Moacir Gadotti, qui est président de l'institut, qui a écrit sa thèse préfacée par Fréré dans les années 70 à l'université de Genève, et aussi avec Ludgardès Fréré, qui est le plus jeune fils de Paolo. Et
ainsi qu'avec le reste de l'équipe de l'Institut, qui continue aujourd'hui à mener des actions politiques et pédagogiques autour de la pensée de Fréret et en lien avec les problématiques du moment au Brésil. Qui sont nombreuses. Dans cet institut, on a notamment pu voir les restes de sa bibliothèque qui date d'avant son départ en Suisse, mais qui contient déjà des références à la pédagogie genevoise, avec notamment un ouvrage sur du pédagogue Claparède. Son diplôme honoris causa de l'Université de Genève, et puis une reconstitution de son bureau à Genève où on voit deux de ses références centrales, côte à côte. On cherche aussi à retracer les liens plus informels, comme on le disait tout à l'heure, à reconstituer un réseau de relations diverses, professionnelles, familiales, mais aussi amicales qu'il avait développées à Genève. Et cette dimension nous semble bien témoigner de la dimension d'intellectuel organique que Paulo Freire avait, c'est-à-dire d'un intellectuel aux engagements nombreux qui menait avec d'autres une lutte pour que l'éducation puisse accompagner les peuples opprimés ainsi que les oppresseurs vers l'émancipation. On a décidé pour travailler à la réactivation de ces liens d'utiliser la forme de la lettre pour mettre en avant cette idée justement de lien interpersonnel. Et on a décidé de rédiger des lettres à des personnes avec qui il avait été en contact à Genève. Cette forme de la lettre était pour nous assez évidente parce que les trois quarts des documents d'archives qu'on a à disposition sont des lettres, sont des copies de réponses de Fréret à des demandes de collaboration, à des demandes de conseils, à des demandes d'envoi de livres, à des échanges sur l'éducation, enfin toutes sortes de demandes qu'il recevait à Genève. Fréret, il a lui-même d'ailleurs utilisé cette forme de la lettre dans plusieurs de ses publications, dans « Lettres de Guinée-Bissau », dans « Lettres à ceux qui osent enseigner » ou encore dans « Lettres à Christine ». Donc, on a à notre tour choisi la forme de la lettre pour mener une partie de notre enquête historique. On a rédigé 4 lettres à la fille de Paulo Freire, à Jean Tigler, qu'on mentionnait tout à l'heure, à Pierre Dominicet, qui est professeur à l'Université de Genève, et à l'artiste Jimmy Durham. Jimmy Durham, qui a étudié dans l'école où on enseigne actuellement à Genève, a écrit qu'après avoir quitté Genève, il a décidé de partir pour le Mexique et d'y ouvrir une école inspirée des méthodes de Fréret, qui était son voisin quand il vivait à Genève. On n'en sait pour l'instant pas beaucoup plus, et c'est une question qu'on lui pose dans cette lettre. Chaque lettre formule donc une ou plusieurs questions à ces 4 personnes, et on essaie par là de mieux comprendre ce qui est resté de leurs échanges avec Fréret à Genève, dans leur travail et dans leur vie plus généralement. Ces lettres, elles ont été rédigées dans l'interligne, comme vous voyez à l'écran, comme dans l'interligne de textes de Fréret, texte qu'on a sélectionné parce qu'on pensait qu'il faisait écho avec les engagements personnels de ces 4 personnes. Donc on attend à présent les réponses et pour la suite de la recherche, on sera en mesure de poursuivre le dialogue, on l'espère, avec eux. Ensuite, la deuxième partie de la recherche, on essaye de vraiment la situer dans une tradition qui serait celle de la Participatory Action Research, qui est aussi une méthode que Fréret avait un petit peu initiée, puis qui a été ensuite déployée et pratiquée par de nombreux chercheurs, notamment dans le domaine des sciences sociales. On cherche vraiment à produire des transformations dans le contexte actuel et on essaye d'impliquer et de penser avec des professionnels de la culture et de l'éducation à des moyens de réengager les concepts radicaux fréréens aujourd'hui, en cherchant des exemples à travers le monde de personnes qui l'ont fait. Donc on inscrit notre recherche au sein d'un réseau international pour mener ce débat sur les concepts de Fréret, pour les actualiser et pour essayer de les adapter finalement à notre propre contexte. Donc on le mentionnait tout à l'heure, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Another Roadmap for Art Education. Avec la moitié des personnes présentes dans cette salle. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui font partie de ce réseau tentaculaire maintenant. Dans un esprit internationaliste qui est tout à fait cher aussi à Fréret et qui est actif depuis 4 ans maintenant, c'est divisé comme ça en plusieurs sous-groupes et nous on fait partie notamment d'un sous-groupe qui s'appelle
Intertwining Histories of Arts Education, qui met en lien des équipes de chercheurs de 8 pays différents, plus maintenant, parce que ça n'arrête pas de grandir. Et nous travaillons actuellement à une analyse et à une diffusion de documents d'archives suisses concernant Fréré. Donc si vous souhaitez, vous pouvez aller aussi sur cette plateforme et regarder les documents qui y sont, et mener une réflexion particulière sur la migration des concepts de Fréré dans le monde, dans leur migration et leur adaptation. Il y a au sein de ce réseau international un groupe Fréré qui permet par des échanges à distance, puis une rencontre annuelle physique, de retrouver des documents des personnes qui, que ce soit au Caire ou à Bogota, vont, évidemment en passant par Genève, vont appliquer les principes d'éducation fréréens dans leur contexte respectif. Nous savons par exemple, grâce à nos confrères d'Afrique du Sud, que Fréré a eu une influence considérable là-bas, et par exemple le leader du mouvement Black Consciousness, Steve Biko, avait lu La pédagogie des opprimés et en aura retiré un certain nombre de principes. Lui-même sera un ardent défenseur de l'idée que l'éducation est un acte politique. Dans les lettres des archives, on découvre aussi un courrier qui vient de Quito, en Équateur, qui mentionne une femme qui a joué un rôle de leader syndical au sein d'un marché, qui a un contexte exactement similaire à celui qu'investigue l'équipe équatorienne de ce réseau. On va également discuter avec nos collègues et camarades du Caire en Égypte, qui nous expliquent que des groupes de lecture sont créés actuellement et qu'ils lisent Fréré et la pédagogie des opprimés en les adaptant aussi au contexte politique et religieux en Égypte. Donc, pardon. Je te prends ton truc. Voilà. On essaie, avec une perspective artistique, de réfléchir aux formats qui vont nous permettre d'avancer dans cette recherche, en portant une attention particulière à la dimension de convivialité dans ces échanges, et en cherchant des moyens de pouvoir discuter avec autant de personnes que possible qui vont nous amener des perspectives variées. Ainsi, une des premières étapes du projet pour nous, avec les membres du réseau Another Roadmap School, et aussi avec des médiatrices, des artistes et des éducateurs brésiliens, ça a été de travailler autour des documents qu'on avait collectés au Conseil œcuménique des Églises, dans le cadre de notre participation à la Biennale de Sao Paulo, où Sophia, que vous avez rencontrée, que vous allez entendre tout à l'heure, nous avait invités. Pour nos collègues là-bas, on a proposé un repas-débat autour des documents qu'on apportait. Et cette idée de repas, elle est venue de l'anecdote que nous mentionnions tout à l'heure, donc de cette anecdote de la feijoada que Fréré avait appris à cuisiner au cuisinier du restaurant Le Portugais à Genève. Ce plat de la feijoada, il a une importance particulière aussi parce qu'il était traditionnellement préparé par les personnes maintenues en esclavage. Et on pensait que le plat lui-même et cette anecdote-là pouvaient faire référence à l'idée d'oppression et de pédagogie des opprimés. C'est dans la cuisine de Sophia, qui reconnaît son appartement, qu'on a préparé le repas avec une équipe de amicales de collaborateurs, et avec l'aide d'un anthropologue qui avant tout aime cuisiner, en particulier la feijoada. Et on a passé une très longue mais formidable soirée à couper le cavé, c'est ce qu'on voit ici, à cuire toute la viande, les haricots, tout en discutant sur la portée pédagogique de Fréré. Le lendemain, on a servi le plat à notre groupe de recherche, mais avant de servir le plat, on avait proposé une série de copies des documents, et on a invité chacun des chercheurs et des médiatrices présentes à prendre un des documents, à le lire et à s'en emparer, à essayer de voir en quoi ce document spécifiquement pouvait
faire écho à sa propre pratique et à son propre contexte. Et puis ensuite, pendant que toutes ces personnes lisaient les textes, nous, on a dressé la table, on a servi la feijoada sur ce set de table qu'on avait produit pour l'occasion, un set de table qui compilait des phrases, des dessins, des papiers à lettres, enfin toutes sortes d'extraits de nos archives et qui faisait aussi qui servait aussi de point de départ à de multiples discussions. La discussion, elle a permis à la fois de comprendre très simplement comment créer des liens avec son propre contexte à partir de ces archives, sans hiérarchiser les apports, et aussi d'identifier des liens possibles entre les différents sujets de recherche. Et on a pu voir que certains chercheurs ont, depuis ces discussions, continué à réfléchir ensemble sur des sujets en particulier. Le lendemain, on a apporté ce même corpus de documents, cette fois sans la nourriture, à un groupe d'éducatrices et d'éducateurs brésiliens qui connaissaient déjà tous Fréré, évidemment, mais qui ont du coup pu amener leurs propres expériences, aussi toute une série d'anecdotes sur des utilisations contemporaines de Fréré. On était aussi venu au Brésil avec un poster qu'on a réalisé qui fait 2 mètres de long, plus de 2 mètres de long, qui présente sous une forme graphique des éléments de la biographie de Fréré organisés en différentes catégories. Ses écrits, ses relations, ses voyages, les échos que sa pensée a pu provoquer. On avait choisi pour faire ce graphisme le symbole d'un avion en papier à différentes étapes de pliage parce que ça nous semblait assez bien évoquer la façon inattendue dont les idées de Fréré ont pu voyager, résonner et être appliquées. Donc c'est très important pour nous que cette recherche dépasse vraiment un travail de compilation ou d'écriture historique, déjà parce qu'on n'est pas historien de toute façon, et qu'elle soit réengagée sur le terrain, et le terrain qui est le nôtre, c'est celui des pratiques artistiques et de la médiation critique. Donc c'est ce qu'on essaye de faire en discutant avec nos pairs, à ce niveau international, comme on le montrait, mais on souhaite aussi vraiment réengager cette pensée dans un contexte très local, celui où on développe nos projets dans la sphère francophone, et plus particulièrement à Genève. Dans cet esprit de réactualisation locale, on a travaillé dans le cadre de la Biennale des espaces d'art indépendants de Genève en 2015, où on a organisé une discussion sur la question des publics avec les responsables des espaces d'art indépendants genevois. Le point de départ des discussions était une collection de citations de Fréré et d'éléments graphiques produits par Claudius Tchekon. Claudius Tchekon, c'était un ami de Fréré qui était aussi exilé à Genève dans les années 70 et qui a beaucoup participé aux publications de l'IDAC et qui a publié plusieurs cartoons sur, autour de la pensée de Fréré. Plus spécifiquement, on partait des 2 images que vous voyez maintenant à l'écran. Une illustration réalisée par Tchekon de la pédagogie bancaire décriée par Fréré, et une image illustrant la notion de public qu'on a trouvée dans un bilan du département de la culture et des sports de la ville de Genève, où les publics semblent être des individus consommateurs qui se rapprochent des réceptacles vides dont parle Fréré lorsqu'il décrit la pédagogie bancaire, et qui en plus vont tous dans la même direction. Donc cette image nous semblait très problématique, et le dessin de Tchekon semblait vraiment interroger ça, et du coup on a posé la question avec ces responsables d'espaces indépendants, de quel public semblent imaginer les institutions culturelles et comment les structures culturelles alternatives pourraient développer une approche différente sur le sujet des publics. Ensuite, une autre actualisation dans le domaine francophone de cette recherche s'est déroulée dans le cadre d'une invitation par l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, où on a pu organiser une soirée d'échange assez similaire à ce qu'on avait fait au Brésil, c'est-à-dire amener des documents issus des archives de Fréré et les discuter avec les personnes qui étaient présentes. Bien sûr, le contexte est totalement différent. Autant au Brésil, Fréré est très connu, comme on l'a déjà souligné, autant dans le domaine francophone, il l'est beaucoup moins. Donc la discussion va s'ouvrir vers d'autres formes d'éducation alternative, et la présence, lors de cette rencontre prépondérante de médiatrices et de personnes engagées dans l'éducation, nous a permis de réfléchir à l'utilité de tels concepts dans un cadre artistique.
Ça nous mène à pousser notre réflexion et à imaginer de constituer en fait à Genève et en Romandie un groupe de travail avec des médiateurs, des médiatrices, avec des éducateurs pour identifier et répondre à des formes contemporaines d'oppression et développer des projets avec un groupe d'experts qui, enfin en tout cas de personnes travaillant sur le terrain pour imaginer des outils et des expériences qui s'appuient sur une médiation artistique transformative, c'est-à-dire qui soit capable de transformer les institutions d'art contemporain suisse romande en s'appuyant notamment sur la pensée développée par Fréré dans la pédagogie des opprimés, c'est-à-dire en faire des institutions radicalement démocratiques, dialogiques et agonistiques, là pour reprendre un terme de la politologue Chantal Mouffe. On a deux objectifs principaux en nous engageant cette démarche avec les médiatrices culturelles en Suisse romande. Le premier objectif, c'est de conceptualiser, d'expérimenter et d'analyser en cherchant vraiment des formes de traduction des idées de Fréré, comme on l'a dit, en identifiant ce que seraient les oppressions contemporaines en Suisse, à Genève, en Romandie. Et en mettant à jour donc ces formes-là d'oppression, puisque ce terme il n'est pas si simple à traduire que ça, une médiation transformative avec des institutions partenaires qui seraient désireuses de produire ces changements. Et notre but, c'est d'opérer vraiment une transformation dialectique. C'est-à-dire que d'un côté, on a des formes renouvelées, et la médiation joue un rôle nouveau dans l'institution et propose des pistes pour transformer les relations entre l'institution et la cité. Et de l'autre, on a une institution transformée qui ne compte plus sur sa médiation pour diffuser un discours hégémonique en apaisant les tensions, qui est en tout cas en français une étymologie du terme médiation, c'est ça, c'est d'apaiser le conflit entre deux parties, et plutôt d'utiliser voilà, la médiation comme un outil démocratique. Et le deuxième objectif, en fait, avec cette démarche, ça serait de produire et de diffuser des connaissances sur des projets de médiation transformative qui se réfèrent à Paulo Freire, notamment en inventant et en diffusant une série d'outils liés à ces pratiques. Par exemple, on pourrait faire une sorte de lexique du vocabulaire qu'on créerait pour désigner ces nouvelles formes de médiation, des méthodes pour identifier des formes de violence / oppression contemporaine dans les institutions culturelles, des grilles d'observation et d'évaluation de projets de médiation transformative. On aimerait à présent, pour la deuxième partie de cette présentation, décrire un peu les liens qu'on a pu faire émerger entre Fréré et l'art. Ces liens, ils sont nombreux, mais ils sont aussi dispersés, et on essaie de les rassembler pour en écrire l'histoire, et aussi pour inscrire notre recherche locale située dans une perspective plus large. Dans l'approche de l'alphabétisation défendue par Fréré, la dimension visuelle, les images, jouent un rôle primordial. L'approche défendue et testée par Fréré au Nord-Estais avec les populations paysannes s'inscrit dans un long processus, nécessitant plusieurs étapes et l'implication de nombreuses personnes. Tout d'abord, des équipes de chercheurs interdisciplinaires, c'est-à-dire des chercheurs en art, en médiation, en sociologie, en études politiques, se rendent sur le terrain pour identifier ce que Fréré nommait un thème générateur. Elles identifient ce thème, c'est-à-dire un sujet d'une importance particulière pour la population, et elles identifient ce thème par des conversations avec les habitants, parfois pendant plusieurs semaines. Dans un second temps, les chercheurs partageaient leurs comptes rendus entre eux et avec les représentants de la population et identifiaient un noyau central de contradiction. Ensuite, l'équipe produisait à partir de quelques-unes de ces contradictions ce que Fréré appelle des tableaux codés qui servaient d'outils dans le processus pédagogique. C'est ce qu'on voit maintenant à l'écran. Ces tableaux doivent, je cite, nécessairement représenter des situations connues par les individus dont on recherche les thèmes, et devaient fonctionner comme des défis sur lesquels doit se porter la réflexion critique. Fréré propose différentes formes pour ce codage. Donc ces tableaux codés, c'est pas forcément des formes graphiques comme ce qu'on voit maintenant à l'écran, c'est pas forcément de la peinture ou du dessin. Ça peut aussi être des formes visuelles, picturales, graphiques, tactiles ou auditives, en fonction, je cite encore, de la matière à coder, mais aussi des individus auxquels elle s'adresse, selon qu'ils ont ou non l'expérience de la lecture. Donc on voit bien qu'on peut utiliser, pour travailler avec des personnes analphabètes, d'autres formes que le texte ou même que l'image
pour pratiquer cette pédagogie. Puis les tableaux sont décodés par les apprenants dans le processus pédagogique lui-même. Ce décodage doit permettre aux apprenants d'envisager différemment leur conception du monde, de repenser leur fatalisme et de faire émerger un inédit possible, c'est-à-dire une action auparavant inimaginable qui pourrait être réalisée. Et c'est là aussi que par rapport au thème de nos journées ici, cette idée d'imaginaire et d'inédit possible nous semble vraiment faire résonance. On voit donc l'importance toute particulière que joue le visuel et plus généralement la forme dans le processus proposé par Fréret. Pour souligner cette importance, on voulait vous citer un extrait d'un dialogue entre Fréret et Ira Shore, qui est un éducateur radical et critique, qui dit que pour lui l'enseignant c'est un artiste et que celui-ci crée et invente sans cesse. Donc il dit à Shore, je suis d'accord avec toi sur cette idée que l'enseignant est un artiste, il n'est pas possible de donner forme ce qui est une sorte de renaissance sans qu'il n'y ait des moments esthétiques. En cela, l'éducation est naturellement un exercice esthétique. Pour moi, c'est quelque chose de beau. Puisqu'apprendre, c'est découvrir un objet, cette découverte donne vie à l'objet, lui donne même une nouvelle vie. C'est une tâche artistique parce que notre apprentissage a cette qualité de donner vie, de créer, d'animer les objets que nous étudions. Dans un livre publié en allemand par Fréret, il intègre cette idée dans son titre, donc l'enseignant est un politicien, est un artiste. Et Fréret rapproche comme ça l'acte d'apprentissage et l'art avec une définition qui est un petit peu stéréotypée, puis comme on le voit illustré aussi sur cette couverture, une vision un peu stéréotypée de la pratique artistique, c'est-à-dire façonner un matériau brut pour donner vie. Au-delà de cette approche visuelle et formelle comme un outil pour rechercher des thèmes générateurs et de cette idée de l'enseignant et de ses apprenants qui donnent vie aux objets qu'ils étudient, rares sont les occasions où Fréret va vraiment s'exprimer sur l'art, sur les pratiques artistiques de son époque en tout cas. Et il y a une exception quand même notable sur laquelle il me semble très important de revenir, c'est une interview qu'il va donner à la fin de sa vie, en 96, à l'ancien directeur du Queen's Museum, Tom Finkelpearl. Cette interview, elle est principalement consacrée à l'art et on va y trouver des réflexions inédites de Fréret à ce sujet, un petit peu poussées dans cette direction par Finkelpearl. Finkelpearl, il s'intéresse particulièrement aux pratiques artistiques dialogiques, c'est-à-dire aux pratiques où les artistes vont mettre un échange avec des non-artistes au cœur de leur production. Et il va ouvrir ses réflexions sur ce sujet dans une publication par l'interview avec Fréret. Il voit dans la défense par Fréret d'une pédagogie dialogique un contrepoint à l'idée greenbergienne d'isolation esthétique, c'est-à-dire d'une production artistique qui serait par définition un système en soi isolé du monde et de la politique. Cette interview lui sert donc à Finkelpearl à placer ses exemples d'art dialogique dans une autre tradition philosophique en sortant de la position de Greenberg qui a été longuement en tout cas dominante dans la lecture de l'art moderne américain. Finkelpearl va comparer la définition de l'éducation bancaire avec les relations habituelles entre les artistes, qui jouent un rôle similaire à celui des enseignants classiques, et un public passif. Donc il dit, d'un côté, on a l'artiste isolé, seul, qui produit, et de l'autre côté, on a le public qui consomme, et finalement, le dialogue, il se fait qu'à travers l'œuvre et pas dans sa production. Pour lui, l'approche dialogique de Fréret doit pouvoir aider à transformer cela, donc cette relation passive du public, et à donner au spectateur un rôle actif, critique et engagé vis-à-vis des œuvres. Et il insiste sur l'engagement que cela nécessite de la part des artistes, mais aussi des directeurs d'institutions, expliquant que chez Fréret, l'interaction prend place sur le long terme et que quelques réunions de community meeting ne sont pas suffisantes pour mettre en place de tels projets. Dans cette interview, Fréret explique que pour lui, toute œuvre d'art pensée comme ayant une portée politique ou non, peut être le support à une approche basée sur le problème, ce que Fréret appelle « problem posing », et que toute œuvre, donc, peut déclencher des discussions politiques. Il pense qu'on peut, sans instrumentaliser les artistes, utiliser leur production indépendamment de leurs intentions initiales. Il prend l'exemple d'une nature morte, à partir de laquelle une discussion sur la beauté pourrait être menée. Il dit, en discutant de la beauté, on peut facilement discuter de questions éthiques grâce aux relations entre éthique et esthétique.
En discutant de l'éthique et de l'esthétique, on discute de politique. Par exemple, on peut discuter du droit à la beauté, du droit des pauvres à être beaux, à posséder de belles choses, à créer de belles choses. De plus, il affirme que dans toute production artistique, l'artiste ne peut pas échapper à la dimension sociale de sa propre existence et que, consciemment ou non, il projette dans son œuvre ses influences sociales, politiques et idéologiques. Dimension qu'on peut ensuite utiliser en tant qu'éducateur comme un objet de discussion. Il affirme donc, ce qui nous semble être d'un intérêt particulier pour les éducateurs et les médiateurs, que toute œuvre d'art peut servir dans son approche dialogique et politique de l'éducation, et pas seulement des œuvres dont le contenu aurait été pensé comme étant contestataire ou politique, ou des œuvres qui auraient été produites de manière dialogique. D'ailleurs, il faut remarquer que Fréret ne semblait pas être très au courant de ces pratiques d'art dialogique, alors que paradoxalement, les artistes eux-mêmes, comme nous le verrons plus loin, et aussi les commentateurs comme Finkelperl, commencent à se référer directement à sa pensée pour expliquer leur démarche dès le début des années 1980. Lorsque Finkelperl lui parle par exemple du travail de Mirlel Adermann-Ukeles avec les éboueurs de New York, Fréret le découvre. Il trouve que l'idée de suivre les équipes de travailleurs dans une ville pour comprendre leur mouvement est une très belle idée, et il fait le lien avec sa propre expérience d'avoir observé dans la rue le ballet de déménageurs de piano. Il montre donc une ouverture à considérer des expériences du quotidien comme ayant une valeur esthétique, mais lorsqu'il se réfère à l'art, il prend en général des exemples de peinture, uniquement. Il termine cependant l'interview sur une note plus contemporaine, bien que picturale également, en évoquant avec enthousiasme sa rencontre avec John Weber à Chicago. John Weber, qui est un artiste muraliste contemporain, qui lui a fait découvrir les murales communautaires de la ville et dont la publication Towards the People's Heart mentionne son concept de codification. Nous avons d'ailleurs trouvé la trace de cet échange entre Fréret et Finkelperl dans la correspondance du Conseil œcuménique des Églises. En dehors de cette interview avec Finkelperl, Fréret va parler d'art et d'éducation à l'art dans son livre Pedagogy of Hope, qui est plus tardif, où il va revenir sur plusieurs anecdotes de sa vie genevoise. Il va notamment raconter dans cet ouvrage que le fils d'un de ses amis brésiliens, Claudius Checon, dont on a vu les illustrations précédemment, a vécu avec une grande violence un enseignement du dessin basé sur la copie, ce qui est encore quand même très fréquemment le cas dans les écoles. Donc ce jeune garçon, qui s'appelle Flavio, rentre un jour de l'école triste et découragé. Son enseignante avait déchiré l'un de ses dessins devant lui. Son père, Claudius Checon, décide d'aller en parler avec elle, et celle-ci, l'enseignante, elle fait vraiment l'éloge de son fils, qui est très talentueux, très autonome, et très fièrement, elle va ensuite lui montrer une série de dessins de chats, qui sont presque tous identiques, qui sont réalisés par les enfants de la classe à partir de l'observation d'une petite statue qu'elle leur a fait dessiner. Elle explique alors à Claudius Checon la manière dont elle tente d'éviter les situations, d'après elle, terrifiantes pour les enfants, où ils doivent choisir et créer. Ainsi, elle n'a pas du tout accepté le dessin de Flavio, qui avait dessiné le chat avec des couleurs impossibles. Pour elle, si elle amène cet objet, c'est pour qu'il le copie avec le plus grand souci, finalement, de réalisme. Donc Fréret va raconter cette anecdote sur plusieurs pages, et pour lui, c'est vraiment une métaphore du système scolaire dans son ensemble. Et il va dire, il a paru que c'était... que cela était la manière dont l'ensemble de l'école fonctionnait. Ce n'était pas simplement une éducatrice qui était apeurée à la simple mention de la liberté, la création, l'aventure, le risque. Pour toute l'école, comme pour elle, le monde ne devait pas changer, et tout comme dans l'histoire du petit cochon qui ne devait jamais quitter le sentier battu, nous ne devrions jamais dévier de la norme établie lors de notre passage dans ce monde. Marcher dans les empreintes laissées par les autres pour nous. Regarder notre sort et notre destin. Baliser des chemins en marchant. Recréer le monde, le transformer. Jamais. Alors, comme on le disait, Fréret ne semble pas avoir été spécialement au courant jusqu'à la fin de sa vie, à l'exception près peut-être de cette codification utilisée par l'utilisation du concept de codification par les muralistes de Chicago, de l'intérêt porté par les artistes contemporains pour sa pratique.
Pourtant, il est devenu, dès les années 1980, une référence centrale dans les pratiques artistiques socialement engagées, et cette tendance s'est même accentuée avec l'Educational Turn que nous mentionnions tout à l'heure. Nous pouvons ainsi trouver des références directes à Fréret chez de nombreux artistes qui ont développé des méthodologies de travail très variées à partir de sa pensée. Et nous allons vous en présenter rapidement deux exemples. On aurait pu ajouter à ces deux exemples le collectif Ultra Red, dont la pratique fait fortement écho aux écrits de Fréret, mais en parler devant Jana, qui fait partie de ce collectif et que nous allons avoir la chance d'entendre tout à l'heure, nous aurait fait trop rougir. Alors, on va plutôt s'étendre sur un exemple qu'on connaît bien depuis qu'on travaille ensemble et qu'on avait déjà regardé avant de s'intéresser à cette recherche sur Fréret. C'est Tim Rollins et KOS qui, pour nous, être un très bon exemple d'une personne qui travaille en revendiquant clairement des méthodologies fréréiennes. Okay. Donc au début des années 80, Tim Rollins va commencer à enseigner l'art dans le système scolaire new-yorkais, et en 82, il est dans une école du South Bronx, qui est vraiment à l'époque un quartier où la moitié des ménages sont aux services sociaux. Il va s'occuper d'enfants défavorisés. Et puis, il va trouver que cette situation n'est pas adéquate et il va fonder finalement une sorte de workshop, after-school workshop, dans lequel il va travailler avec un groupe d'élèves en dehors du cadre et des horaires scolaires. Et puis, il va prendre une décision finalement assez radicale, qui est de combiner son travail artistique avec son enseignement. Il va dire que pour lui, la fabrication de l'œuvre est la pédagogie. L'art est un moyen d'acquérir une connaissance du monde, et c'est pour cela que notre projet est si différent des écoles traditionnelles. Donc les élèves sont immergés dans la production, et la production culturelle en l'occurrence. Donc il va travailler avec des jeunes qui lui sont envoyés par l'école, à qui il va proposer de venir dans cet atelier, et de prendre ensemble des classiques de la littérature américaine qui vont littéralement démonter, découper, et à partir de ce démontage, ils vont les lire aussi, ils vont utiliser les pages de ces ouvrages pour faire comme ça des fonds de toile qui sont très grandes, et sur lesquels ils vont ensuite intervenir avec des éléments graphiques qu'ils vont créer eux-mêmes, donc en collectif. Donc pendant qu'ils créent ces éléments graphiques, il y a un des membres du groupe qui lit vraiment le texte. Et là, on est vraiment dans une approche transdisciplinaire qui mêle art, littérature et culture, qui est extrêmement innovante et qui est une expérience qui va durer très longtemps et qui est intéressante à bien des aspects. Tim Rollins va dire « J'ai été motivé par mes émotions pour créer ce projet, mais cela venait de quelque part, de mon amour pour Martin Luther King et pour Paulo Freire. » Donc là, on voit clairement qu'il mentionne Freire comme une source forte d'inspiration. On reste là pour... Peut-être juste dire cette critique qui est oui, on doit raccourcir, alors on est un peu en train de couper comme ça en direct. On voulait peut-être juste dire que ce travail avait quand même fait l'objet d'un certain nombre de critiques. KOS a rencontré un grand succès comme ça sur la scène artistique. Ils vendent dans des galeries, ils ont été dans plusieurs biennales, mais cette visibilité leur a permis de faire vivre la structure pendant toutes ces années. Il y a des critiques qui ont émergé, notamment cette historienne de l'art qui dit que Tim Rollins doit interroger le fait qu'il soit blanc. Qu'est-ce que cela veut dire de s'appeler maestro et d'avoir que des élèves noirs ou latinos? Quel type de relation est-ce que cela met en place? Et cette question d'utiliser des textes occidentaux canoniques. Tim est intelligent, engagé politiquement et du bon côté des choses sur de nombreux sujets. Mais comment, à la fin des années 80, début des années 90, peut-on continuer à s'appuyer sur ces textes quand tous ses amis et tous les intellectuels se battent pour transformer ces canons? C'est un mystère pour moi. Juste un mot sur Jonathan De Andrade. Qui nous semble être un exemple aussi où Fréret est très directement utilisé et du coup intéressant, avant de passer à notre conclusion. Jonathan De Andrade, il trouve chez lui, chez ses parents, c'est les images qu'on voit ici, une série d'images, où, une série de posters où il y a chaque fois une image et un mot. Ici, on voit nourriture, argent et union.
Et il se renseigne un peu sur ces images et il découvre que c'est sa mère qui les utilisait dans son travail d'enseignante dans le service public au Brésil. Et puis il décide, il fait une recherche là autour, il se rend compte que c'est lié à la pensée de Fréret, c'est une sorte d'adaptation de la pensée de Fréret, etc. Et il va prendre cette série de posters qu'il a découvert et il va aller travailler avec un groupe de femmes dont aucune ne sait lire ni écrire. Pendant un mois, quotidiennement, il va discuter avec elles à partir de ces images et il va produire de nouvelles images similaires à partir de ces discussions. Et il va ensuite proposer une installation qui mélange les anciennes images et les nouvelles dans une forme de, pour former une sorte de portrait comme ça du Brésil contemporain, ou en tout cas de la région. Un portrait qui est assez différent de ce que, l'État du Brésil veut faire passer au niveau international avec les Jeux Olympiques, etc., puisqu'on parle de couteaux, de feu, de déchirement, voilà, de richesse aussi et d'inégalité. Voilà, on termine cette présentation en essayant de vous dire que pour nous, il y a vraiment un esprit important à mettre dans ce travail. C'est, et là on va prendre les mots de Ultra Red et de notre camarade Jana, qui est que le travail de Fréret était vraiment le produit des circonstances historiques particulières dans lesquelles il enseignait et écrivait, et ses méthodes pour l'alphabétisation étaient basées sur les caractéristiques spécifiques du portugais. Le travail de Fréret doit être réinventé plutôt que transposé pour différents contextes. Et pour nous, c'est vraiment important de le déconstruire, d'en poser une critique aussi dessus. Il y en a beaucoup et elles sont tout à fait importantes et non incontournables à forger. Mais on veut vraiment imaginer nos propres outils et développer une pratique située et spécifique en s'appuyant sur ces expériences réalisées par le passé et à partir de leurs récits qui sont parvenus jusqu'à nous, essayer d'écrire nos propres récits et nos propres histoires. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. On a zappé Carmen. T'as zappé ? Du coup, il y a des questions. T'as de l'eau, toi, encore ? Non, j'en ai plus. J'ai aucune idée du timing. On aurait dû regarder avant de commencer. Hola, João Castellano ? Si ? Oi, Ning. Wait a second, sorry. English is if it's okay for you. Otherwise, we can okay. Do the translation. No, I'll do it in English. Okay. You talked about applying some of Freire's theories in Geneva's context and other contexts. I was curious about how you apply the I don't know how to speak in English, so I'll speak in Portuguese. A teoria da ação antidialógica, la teoria de la acción antidialógica de Freire, that he works in the last chapter of the Pedagogy of the Oppressed, especially about the cultural invasion in the context, for example, in Brazil of the colonization and in this like the period of the 60s and the 70s that there was a lot of influence of the American culture, for example, and European culture. I was wondering, for curiosity, how do you apply this exactly frame in the Geneva context? Thank you. So, for the moment, we do not apply it because we are still into the moment of building those groups with different educators and researchers that we would like to look at those concepts and see how we can translate them in this specific context of Geneva today, which is, as you are underlining it, so different from the context in which Fréré would write this Pedagogy of the Oppressed. But what we can say is, from our perspective in Geneva, is that the approach towards the cultural institutions are those kind of global
contemporary art institution with a rather hegemonic approach regarding discourse, and that what we want to do is definitely spend a lot of time trying to identify how we can translate this context of this concept, for example, of oppression. What does it mean? We've been doing some funding research, for example, using that word oppression, with people answering to us that there is no point to use that word today in Geneva, that there is no oppression. It's so, out of date. And yeah, it's out of date. So this is very important for us to be able to identify them, even though it's not at all something that can be translated as such from the situation of the Nordeste peasants from the 70s. But I think there is also something quite specific. I think it's connected to your question. It's this question, this idea of alphabetization in the dominant language. So there is always this tension, because Freire would do his program of alphabetization in Portuguese mainly, as the countries were trying to get rid of colonial oppression and reinvent themselves. So there is a kind of tension there, and this specific point is now addressed by some of our colleagues in Ecuador, and they're thinking about this example that Marianne mentioned before, that was found in the archives, because they are also trying to think about the in which language should take place their own pedagogical approach today? Should they take place in Spanish or in other languages? So there is this specific point that is addressed. Pues si no hay más preguntas, pasamos a Sofía. C'est parti. Merci. Merci à tous.